شعبي منك من دسه يلا انزل عشرة ويلا انزل عشرة ويلا انزل على الشرق انزل عشرة وعلي صوتك بالهتاف وغير من الله ما بنخاف بالطبيعة ثورة والمحسوبية ثورة والطائفية ثورة 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 سيروح برأيك رح نوصل لبلبنان إلى هيدي العدالة؟ كلهم يعني كلهم أول واحد جمران بالتحيات وين التحيات؟ نحن عم نشوف مسرحية مسرحية أصلية لا صوت معي ولا سوى كل الطاقم أول شراب Nous sommes là pour deux raisons principales, pour réclamer une enquête internationale, parce que nous ne faisons pas confiance à la justice de notre pays qui est phagocytée par le pouvoir, parce qu'après l'explosion du 4 août, il n'est plus admissible que des choses soient passées sous silence. La deuxième chose, nous sommes là pour réclamer la démission de Michel Aoun, qui est un président qui a perdu toute sa légitimité. Parce qu'il sert de couverture légale au Hezbollah, qui est un parti illégal, terroriste, qui terrorise le pays par ses armes. Et le président lui sert de couverture légale, et ça suffit. Il est grand temps qu'il s'en aille, lui et ceux qui poussent. Nous lui reprochons de chercher ses intérêts avant les intérêts du pays. Nous lui reprochons d'avoir fait des alliances antinationales pour pouvoir arriver à la présidence parce que c'était son obsession. Nous lui reprochons d'être incapable de gouverner à l'âge où il est et dans l'état physique où il est et mental. Et nous souhaitons qu'il s'en aille. Qu'est-ce que vous avez pensé de la visite d'Emmanuel Macron cette semaine? C'était de bonnes visites sûrement, il a fait bouger la fourmilière, mais il ne sait pas à qui il a affaire. Il pense qu'il a affaire à des gens comme le Parti Socialiste ou même Marine Le Pen ou des partis honorables. Il a affaire à une racaille, il a affaire à une mafia et il ne sait pas à qui il a affaire. Maintenant, il est en train de commencer à se rendre compte dans quels pieds il s'est fourvoyé, mais j'espère qu'il sera à la hauteur et qu'il tiendra bon. Et qui les obligera à tenir leurs promesses, parce qu'ils ont fait des promesses. Et nous sommes habitués à ce qu'ils toujours ils trahissent leurs promesses. Mais maintenant, lui va apprendre ça. Monsieur Macron, même si nous devons crever de faim, même si nous devons crever de froid, même si nous devons mourir, nous ne voulons pas nous rendre à un nouveau ministère de fromagistes et de partage de pouvoir qui va continuer la corruption qui règne dans ce pays. Nous voulons faire comme en Afrique du Sud quand ils ont dit quand il y avait l'apartheid. Faites-nous mourir de tout ce que vous voulez, mais que l'apartheid finisse. Nous disons que la corruption finisse et que Hezbollah rentre ses armes. Parce que assez, c'est assez. هيدا بحد ذاته أكبر دليل على أنه رئيس الجمهورية متورط. هيدا دخل أربعة وقت شوي يلا أوكي. أيوة هيدي يلا.
تشوف الناس شاعت والناس عم تنام بلا كهرباء بلا مي بلا شيء. Pourquoi je suis là aujourd'hui pour dire la vérité que tout le monde connaît et que personne ne veut la dire ou la proclamer? Où est l'accountability qu'ils ont les gens qui ont fait ça? Ça fait 40 jours, on ne sait rien. Ça fait 100 ans qu'on est. Il n'y a jamais rien ne s'est passé au port. Soudainement, il y a le feu deux fois dans une semaine après cette horrible explosion. Alors je suis là pour ça. Un, deux, on veut savoir. Ça ne peut pas être comme ça. Ok. C'est-à-dire que ces gens qui ont fait ça doivent être accountable. Ok, avant qu'ils ne font la politique et ils font tous leurs deals et toutes ces choses-là. Je suis là pour ça. Where is the leadership? Ils sont où les gens qui sont le président, les ministères, le parlement? Ok? On fait quoi ici? J'aime bien le fait qu'il est là pour proposer son support contre gouvernement français et président français et l'amour pour le Liban, ce que je respecte beaucoup. En même temps, je sais que nous sommes des Libanais. Je veux qu'on acte, nous, comme des gens indépendants. C'est-à-dire le support international est primordial et important, mais le support que je veux de Emmanuel Macron et les présidents extérieurs, c'est que ces gens, ils ne sont pas les gens qui nous représentent, même si maintenant le Parlement est fait de 7% de ces gens-là. Ces gens, ils font partie de ce qui s'est passé au Liban il y a un mois. Alors comment on va faire la politique avec ces gens-là and shake hands? Je veux dire ça à Emmanuel Macron, qu'on a besoin du support, mais qu'on soit indépendant. Ces gens, on ne peut pas négocier avec. Maintenant, ils vont nous tuer avec les bullets, live bullets. Regarde ce que j'ai. J'ai ça, moi. Je me protège de mon propre gouvernement. De ma propre armée libanaise. Je viens pour ça. C'est pas légitime du tout. J'avais le respect pour Hezbollah avant parce que je savais la cause et ça a aidé le Liban jusqu'à certains moments. Mais non, maintenant, c'est non. C'est forcé. C'est tous les problèmes qu'on a maintenant. Et tous les autres partis, ils n'aiment pas Hezbollah. Ils ne s'aiment pas, mais ils s'aiment parce qu'ils sont ensemble dans cette corruption. Personne. C'est la vérité. Je ne vais pas mentir. Et j'ai pas peur de le dire, j'aimerais bien que tu les Libanais viennent ici parce que c'est pour tout le Liban, c'est pas pour moi. Moi je suis entrepreneur, peut-être je serai la première personne à quitter le Liban parce que je dois le faire peut-être, mais j'aimerais bien vivre là en paix. Parce que les gens ont peur. Pourquoi? Est-ce que tu as vu les gens comment, le même jour où il y a eu l'explosion, la deuxième journée on était en bas. Avant d'arriver pour protester, il y avait les live bullets et les, you know, I don't know in French what they call them. Ils ne veulent pas qu'on parle, ils nous font peur, ils ne veulent pas que le peuple libanais vienne dire hello, on est là, on veut vivre, quitter. Ils ne veulent pas dire que Hezbollah n'est pas bien ou bien je ne sais pas quoi. C'est un gouvernement sectarien. Il n'y a pas de vraie politique ici, il n'a pas un agenda, il y a seulement corruption, qu'est-ce qu'on va faire? Laisser le pays comme il est, ouvert à tout ce qu'il y a géopolitique autour d'eux. Ils ne veulent pas un Liban indépendant, ils veulent être là et faire tout ce qu'ils veulent avec tout ce que l'autre monde veut. Nous ne sommes pas un pays indépendant, c'est ça. C'est triste, mais c'est ça. Moi je veux un Liban indépendant. Shut up!
الشهداء مش راح يرجع حقه للحكام. خذوها كلها
لأنه لا يقدر يتنفس. National media today is September 12th. The Lebanese army, they used live bullets against us. We no longer have the trust between us and them. Please come and save us. We don't have this means to defend ourselves. They are shooting bullets at us. We ask the International Security Council to come and save us from this police. خليه 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 جوبه هذا بتعلى المشينة إن شاء الله. كلهم خل عللهم مشينهم واحد واحد إذا ما هلا بعدين ويا منتصرين يا ميتين. أنا لسه متكل إنه هو منه نفسه يستقي. هلا رح نقول بيان خصنا زي دكتور شين تشانغ بدي شوفنا شين تشانغ أخيرنا شين تشانغ شوف شو وضعه. الموت ولا المزلل.